wamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. GG les enfants, GG Bonanza, Wazaza, Bapoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très 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 content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle émission de... Ouais, 100% Mayotte. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question très 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 intelligente, hein. Où sont les légumes de Mayotte? Ah, mais oui, ce qu'on dit, ouais, il n'y a pas de légumes à Mayotte, on n'en trouve pas, tout est importé. Regardez derrière, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Oui, il y a des légumes à Mayotte. Oui, il y a des fruits à Mayotte. Et on a rendez-vous avec Cartwabi et avec lui à la COPAC. On va essayer de comprendre d'où viennent ces légumes, comment on les prépare et où est-ce qu'ils vont. Peut-être même qu'on va se poser la question qui les mange. Allez, on a rendez-vous avec Cartwabi du côté de la COPAC. Il est avec nous. Cartwabi, bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça va? Ça va bien et toi? La big form? Tranquille. Cartwabi, on a une question très intelligente. Dites-moi. Bon, c'est le style de 100% Mayotte. On a toujours des questions très intelligentes. Oui. Où sont les légumes de Mayotte? Ils vont arriver petit à petit. Là, nous avons 15 adhérents. Ouais. Et en fonction de ce qui a été commandé vendredi, là, ils vont arriver au fur et à mesure. Ouais. Sachant que nous avons déjà du stock là. Ouais. Donc, nous avons déjà commencé à préparer ça, les allouer en fonction des commandes réalisées et en même temps réceptionner ce qui va arriver. Parce que là, on est à la COPAC. Oui. D'accord? On va expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la COPAC. C'est une coopérative? C'est une coopérative. Alors, c'est quoi le but d'une coopérative? C'est de mutualiser, en tout cas, enfin, c'est un groupement de professionnels. D'accord. Dans le domaine de l'agriculture. Ouais. Qui a vu le jour en fin 2009. Ouais. Et l'idée, à la base, c'était de mutualiser pour limiter, en fait, les coûts. Pour tout ce qui est la partie commerciale, en fait. D'accord. Parce qu'avant, eux, ils faisaient les livraisons eux-mêmes. Ouais. Mais sauf qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué, en fait, de faire les livraisons. Déjà, aller sur Mamoudzou, revenir, ça leur prenait la journée. Plus la gestion. La gestion derrière, ouais. Donc c'était un petit peu compliqué. Ouais. D'où leur est venue l'idée de créer la coopérative, justement, pour le permettre d'avoir plus de temps. Alors, quand tu dis que tu as 15 adhérents, ça veut dire que tu as 15 agriculteurs différents, oui, qui viennent ici déposer leurs fruits et, ouais, légumes, oui. D'accord, les fruits et légumes du jour. Du jour, absolument. Ils sont mis, et vous allez le voir tout au long du reportage, hein, dans des cagettes. Absolument. Ils sont reconditionnés. Oui. Et vous allez les amener à la grande surface. Absolument. Ouais. Là, ils vont absolument avoir un numéro de Siret, ouais, déjà, ouais, pour pouvoir prétendre être adhérent ici. Par la suite, un certificat phytosanitaire. Ouais. C'est une formation qui est suivie au lycée agricole de Coconi. Ouais. Cette formation-là a pour objectif de sensibiliser les producteurs quant à l'utilisation des produits phytosanitaires. D'accord. Alors avant qu'il y ait le rush, parce que dans quelques instants, ouais, vous allez là, voir, ça va arriver. Ça va arriver d'un coup, donc on en profite. Ouais. J'ai vu sur certains panneaux de la coopérative, donc oui, de la COPAC, oui, le petit logo Europe. Absolument. Quel est le lien avec l'Europe? Ben, nous recevons quand même des subventions de l'Europe. Ouais. Beaucoup. Notamment tout ce qui est commercial, ouais, l'aide POSEI, ouais, mais également du conseil départemental de Mayotte et la DAF aussi qui nous accompagne beaucoup. Du coup, nous avons notre producteur ici qui vient d'arriver. Un producteur. Raslan. Ça va, tonton? Un producteur adhérent. Ouais. Très, très rigoureux. Ouais. D'ailleurs. Tout ça, c'est depuis 4 heures ce matin. Ouais, jusqu'à... Globalement. Et voilà. Ça, c'est quoi? De la bread muffin. De la bread muffin. Je mets ça où, tonton? On pose là, pour le moment. Où? Là, on va comptabiliser, là où tu es. Ok. Mais quand tu dis comptabiliser, ça veut dire quoi? Tu vas pas compter chaque feuille, quand même? Non. Enfin, généralement, lui, il compte déjà en amont chez lui. Ouais.
Après, nous, ce que nous faisons d'habitude, c'est mettre par 10 ouais. pour éviter d'entasser en fait les produits. Mais punaise! Pourquoi c'est... Ah, là, tu peux m'aider? Ah ben bien sûr. On va essayer. Hop. Et voilà. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Donc ça, c'est les concombres. Voilà. Pareil, ramassé ce matin. Ramassé ce matin. Oh, tout est ramassé ce matin. J'adore ça. Des salades. Et bien calibré en plus, donc là on n'a pas de souci. Alors quand tu dis bien calibré, ça veut dire quoi exactement? C'est le calibre, la forme. On essaie d'avoir des produits homogènes justement pour pas que les clients disent que ah là il y a un souci. Ah oui. Donc nous, l'agrillage c'est ça. Ouais mais il y a un souci, c'est pas parce que le concombre il est un peu tordu qu'il est pas bon. Malheureusement si. Ça ne, c'est non pas, mais au niveau du goût. Ouais le goût ça change pas. Ça change rien. Mais ça fait pas... Mais le client il veut un truc bien fait. Voilà. Voilà. Et ça c'est quoi? Le piment fort. Le poutou. Poutou, ouais. Vous pouvez goûter, hein. C'est non, très, non, c'est très, très bon. Goûte. Je goûte. Je vais goûter. Le piment de Mayotte. Non, mais t'es fou ou quoi? Donc là, tout est en place. Voilà. Et maintenant, tu vas voir si ce qu'il a comptabilisé correspond à ce que à ce qui a été commandé, ouais. À ce qui a été commandé. Voilà. D'accord. Mmh. D'accord. On vérifie qualitativement et quantitativement. Bon, et là, qu'est-ce que t'en penses? À première vue, tout a l'air nickel. Ouais. En tout cas, pour les concombres, là, c'est bien homogène. Ouais. Il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Quand tu vois tous ces fruits et légumes là, qui viennent de Mayotte oui. et qui vont repartir aujourd'hui pour la consommation, oui. évidemment, c'est ton job, ouais. c'est ton métier. Mais il y a le côté passion non, qui existe là-dedans. Absolument. De toute façon, leur métier, c'est de la passion avant tout. Ouais. Et c'est ça qui est bien, de pouvoir vivre de sa passion, justement. Ouais. Et ouais. c'est excellent. Nous, consommateurs, là, les téléspectateurs de 100% Mayotte, oui. On achète des fruits et légumes dans les grandes surfaces. Oui. Elles sont chères. Malheureusement. Elles sont chères, après, je trouve. Après, c'est leur politique, donc non. Mais oui, mais ouais. Est-ce que, c'est quoi qui coûte cher? Est-ce que c'est la partie vente grande surface ou la production? C'est quoi qui revient le plus cher? La production, c'est vrai qu'après, nous, nos producteurs adhérents, en fait, eux, disons qu'ils sont en règle. Pas disons, ils sont en règle, c'est-à-dire qu'ils ont des salariés, donc ils ont des coûts quand même. Enfin... Des charges, quoi. Des charges, quoi. Ouais, ouais. Du coup, en termes de prix, nous ne cherchons pas forcément à vendre le plus cher. On essaie juste d'avoir le prix d'équilibre, en fait, le prix juste. En moyenne, un kilo de concombre, le producteur gagne combien? Il peut toucher environ dans 1,80€ le kilo. 1,80€ le kilo, à peu près. 1,80€ à 2. Ça me paraît trop mûr. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un problème, celui-là? C'est la maturité, en fait, qui est trop avancée. Ouais. Du coup, le temps que ça arrive chez le client, malheureusement... Ça risque d'être trop mûr. Voilà. Donc, on ne va pas pouvoir réceptionner celle-ci. Et donc celui-là, il va devenir quoi alors? Ben, le producteur le reprend. Et là, malheureusement, là, elles sont trop vertes. Et celles-là, elles sont trop vertes? Ouais. C'est une variété très, très appréciée, celle-ci. C'est quoi ça? Nous avons de la papaye solo. C'est quoi ça? C'est de la papaye? Ouais. Papaye solo, donc qui se consomme en fruits, celle-ci. On ne peut pas se permettre, en tout cas, d'envoyer des produits. En tout cas, le client est roi, voilà. Donc on doit lui envoyer des produits de roi. Voilà. Quand on voit les bread mafan, là. Oui. Ça, c'est aussi pour des grandes surfaces? Absolument, oui. Parce que ça reste un produit mangé localement. Oui. Et c'est vendu également en grande surface. C'est très, très, très demandé. Ah ouais? Surtout cette variété de... Enfin, les bread mafan et les bread morel. Ouais. C'est tellement demandé que même des fois, en fait, on manque en production. C'est incroyable. On n'en a pas assez. Ouais. Mais c'est vrai que tout le monde nous dit manger local, manger local. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire travailler aussi les producteurs. Absolument. Et l'économie locale. Exactement. Ouais. C'est ça le but recherché, et de promouvoir en fait la production locale, de faire en sorte que cette filière en fait puisse fonctionner et, correctement. Simplement. Ouais. Mmh. La menthe. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc là, les bread qu'on a vues, elles vont où? Ben là, en fait, l'exemple de la bread mafan. Ouais. Comme vous pouvez le voir, en fait, nous avons pas mal de commandes. Ouais. Chaque client commande par rapport aux besoins. Donc on a notre magasin, ils ont commandé 10. Ouais. Après, on a Sodifram Hyper Discount aussi qui a commandé 20. En fait,
fait, ici, c'est le Rungis de Mayotte. Hein. Bon, OK, c'est plus petit, légèrement plus petit. Mais ça fonctionne de la même manière. Tiens, regarde, il y a encore un truc qui vient d'arriver là. Viens voir, viens, on va voir. On met ça où? Allez, encore, encore. Ah, punaise! Bon, carte-toi, quand je vois tous ces fruits et légumes qui arrivent ici, ils sont frais, ils sont tous ramassés du jour, mais comment ça se passe pour l'agriculteur le matin? Il se lève aux aurores? Absolument. Il se lève hyper tôt, oui, parce que nous, notre problématique, c'est toujours le départ du camion. Ouais. Donc les clients, surtout les restaurateurs, ils aimeraient avoir leurs produits avant midi, justement, pour qu'ils puissent y travailler. Ouais. De ce fait, en fait, on ne peut pas se permettre non plus de livrer à 14h. Quoi. Ouais. Donc l'agriculteur se lève tôt. Hyper tôt. Et il va ramasser le matin même? Absolument. Plus tard, en fait, nous avons un projet de construction, là, en face de la station, ouais, pour des nouveaux locaux. Ouais. Ce qui va nous permettre... Et là, vous êtes un peu à l'étroit, quand même. On est vraiment à l'étroit, ouais, effectivement. Donc, ça va nous permettre d'augmenter un peu plus notre production et de pouvoir élargir, en fait, notre gamme diversité. Cartovi, de grosso modo, c'est combien de kilos qui passent tous les jours ici, à la COPAC? On n'est pas loin de la tonne. Une tonne? Ouais. Une tonne de fruits et légumes made in Mayotte qui partent dans la grande distribution, mmh, ou les écoles, etc., etc., mmh, tous les jours, depuis Combanie. Mmh. Salade là. Hop. On peut porter des salades que... Tu m'étonnes, c'est beaucoup plus léger. Hein. T'as que le chargement, c'est la fin de la mission de la COPAC. Là, on a quasiment chargement tout... et après livraison. Absolument. Ouais. On a quasiment tout réceptionné. Ouais. Il nous manque juste un producteur, donc pour ne pas perdre de temps, on va commencer à charger. Ok. Et puis quand en fait, vous jouez toujours contre la montre, quoi. Absolument. C'est la montre là. On a pas timing, le choix. Timing. Allez, Toto, on y va. Qu'est-ce qu'on charge? Salut. Voilà. Ensuite, les concombres. Tiens. Merci. De rien, c'est normal, c'est pour moi. Tant que je mets des marques pour moi, que je me répète. Ah, donc tu sais où ça va, quoi, en fait. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Quelle organisation. Et voilà. Allez, maintenant, en cabine et c'est parti. Une bonne livraison. Hein. Ouais, merci en tout cas, merci mille fois, Cartobi. Ouais. Merci mille fois. Et puis, bravo pour ce que tu fais avec les agriculteurs et tout. Je suis hyper fier d'avoir vu ça. Vraiment. Vraiment? Ah ouais, je t'assure. Ben c'est excellent. Ben en tout cas, merci mille fois. Si tu veux, en tout cas, tu seras toujours la bienvenue. Ouais, c'est en tout hyper cas, sympa. Tous les matins, c'est à Combanie, ça se passe. Ouais, c'est Rungis, je te dis. Bon, allez, excuse-moi, je me dépêche parce qu'on a une livraison à faire, monsieur, nous. Hein? Allez. On n'est pas là pour s'amuser, nous. Ah ben non, allez, c'est parti. Bonne route. Merci et beaucoup. Bonne livraison. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, c'est parti. La livraison. Pour les supermarchés, les grandes surfaces ici à Mayotte. Vous la verrez certainement dans une prochaine émission. En attendant, mais on voit que c'est speed, ça court le matin du côté de la COPAC. Hein. On a dit au revoir à notre invité et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir à vous. Hein, puis vous connaissez le principe de l'émission, hein, de toute manière 100% Mayotte. Si vous aimez les tomates, si vous aimez les concombres, si vous aimez les salades, si vous aimez les caramboles, si vous aimez les mangues, bon, il n'y en a pas encore en ce moment, mais si vous aimez tous les fruits et légumes de Mayotte, il faut le dire. Il ne faut pas dire comme ça, 100% Mayotte. Hein, tonton? Il faut le dire. Il faut le dire fort. Ouais, ouais, fort. Oh, et fort. Et en criant... Mayotte. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de 100% Mayotte. Et pour nous, la journée n'est pas terminée. Hein, hein, papa, elle n'est pas terminée, la journée. Hein. Ouais. Non, parce que maintenant, il faut quand même tout décharger et tout, là. Allez.